Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes dernières lectures. Ça n'a pas été fou. Il y a eu une lecture sympa, bonne lecture, mais sans plus. Il y a eu un abandon. Il y a une lecture en cours que j'ai mis en pause parce que j'ai du mal à la lire. Et après, on verra. Voilà. Donc on va commencer tout ça. J'ai d'abord lu The Battle of Maldon de Tolkien. C'est un poème il y a longtemps. C'est un poème du 10e siècle anglais, donc de base rédigé en vieil anglais, qui relate une des plus grandes batailles qui a été assez décisive dans l'histoire de l'Angleterre, bataille entre anglais et vikings, retraduit par Tolkien derrière. Donc ça a été une bonne lecture, mais j'avoue que j'ai été un petit peu déçue. Le texte en lui-même, de toute façon j'ai adoré parce que ça reste l'écriture de Tolkien, c'est une bataille, c'est des vikings, donc il y avait tout pour me plaire. Le problème, c'est que le texte en lui-même, ce n'est pas la plus grosse partie du livre. Il y a beaucoup, mais vraiment énormément de références à la littérature en général, notamment les légendes arthuriennes. Et honnêtement, il faudrait que je relis sur le sujet parce que j'ai vraiment pas le bagage qu'il fallait pour apprécier totalement toutes les notes. C'est un texte vraiment très académique, il y a beaucoup de références. On parle beaucoup de l'inspiration, du contexte, tout ça, tout ça. Donc c'est vrai que moi, au bout d'un moment, j'ai pas trouvé vraiment énormément d'intérêt. Enfin, c'est pas ce que je recherchais dans ce texte, donc j'étais un petit peu déçue. Ça reste quand même une très bonne lecture, mais voilà, un côté académique un petit peu trop poussé pour ma part. Voilà, grosso modo, c'est ça. Après, ça reste de toute façon un très très bon texte. Ça reste l'écriture de Tolkien, donc voilà, c'est toujours aussi intéressant. Mais voilà, le côté un peu trop académique, c'était vraiment pas fait pour moi. Ensuite, l'abandon du moment. J'ai voulu lire Vostok de Laurent Kloetzer dans le cadre du Cocorico Challenge, qui, je le rappelle, est organisé par Camelot Magicadou. Il suffit de lire la SFFF francophone, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Et voilà. Je pense que je partais avec un petit peu trop d'espoir, voire peut-être d'a priori. Enfin, d'a priori. Ouais, je m'étais fait un petit peu une idée parce que ça se passe en Antarctique. Il y avait eu des expériences, puis tout a été abandonné et plus tard il y a des personnes qui vont y retourner. Dans ma tête, ça sonnait très The Thing de Carpenter un petit peu. C'est pas du tout ça. Ou La Nuit des Temps de Barjavel. Bref, dans ma tête, c'était un petit peu ça. Et je sais plus à combien de pages je me suis arrêtée. Je vais vous dire ça franchement. J'ai essayé de tenir, mais ça a été compliqué. Je me suis arrêtée au bout de 137 pages sur presque 500, 497. Mais déjà, l'écriture m'a beaucoup freinée. J'ai trouvé l'écriture assez spéciale, vraiment pas recherchée, voire assez maladroite sur certains moments. Et le problème, c'est que moi, ce qui m'intéressait, c'était ce qui se passe en Antarctique, la base de recherche, tout ça, tout ça. Et au début de l'histoire, on va suivre un cartel de drogue, notamment la sœur du parrain, en gros. Et déjà, je m'en foutais. Donc, en fait, je m'ennuyais beaucoup. Et après, évidemment, même au bout de 137 pages, on commence à comprendre pourquoi on suit ces personnages, ce qui va se passer ensuite, etc. Et le souci, c'est que on va dire, ces dirigeants du cartel de drogue, notamment la sœur du dirigeant, vont apprendre en fait ce qui. Sans dévoiler l'intrigue, ça va être bizarre. Bref, ils vont apprendre ce qu'il y a là-bas. Et du coup, pour moi, c'est ce qui faisait le mystère du roman. Et après, du coup, ils vont prendre des décisions, ils vont se dire, bah, on va aller là-bas parce que nanana. Et honnêtement, non, c'est vraiment. J'avais un manque d'intérêt, comme j'ai rarement eu. Donc voilà, je l'ai abandonné. Ce qui a fait aussi que j'ai abandonné assez rapidement, c'est que pendant ma lecture, à un moment donné, je suis allée voir les notes et les avis sur Livre Addict. Et ouais, il est pas super bien noté. Et ce que j'ai retrouvé dans les commentaires, c'est déjà ce que je reprochais un petit peu au livre. Donc je me suis dit, c'est quoi, je vais pas perdre mon temps. J'ai d'autres choses à lire, la vie est courte, tout ça, tout ça. Donc je me suis lancée dans Le Silmarillion de Tolkien. Gros pavé. J'en suis à ici. Voilà, j'ai pas encore. J'ai lu ceci. Il me reste ça. C'est une très très bonne lecture. Pourtant, c'est en français et c'est une vieille traduction parce que quand je suis chez moi, je le lis sous ce format-là. Quand je suis au travail, je le lis sur liseuse parce que je ne vais pas emmener cette beauté dans mon sac. Hein, j'ai pas envie de l'abîmer. Bref,
Donc je lis deux traductions. Celle-ci m'a l'air un peu vieillotte, mais bon, bref. Je pense que de toute façon, je leur lirai en VO un jour. Mais très très bien écrit, c'est très prenant. De toute façon, c'est l'histoire du second âge, en gros. Et sur la fin, je crois qu'il y a aussi un petit peu la guerre de l'anneau, il me semble, donc le troisième âge. Bref, grosse partie de l'histoire de la Terre du Milieu. Par contre, j'ai du mal à le lire. Pas dans le sens où c'est difficile, que c'est assez exigeant, pas du tout. C'est juste qu'en fait, j'arrive pas à plonger dans ma lecture. Quand je le lis, j'aime beaucoup ce que je lis, j'apprécie vraiment, mais j'ai pas vraiment ce truc d'y retourner, vraiment d'être happé par l'histoire. Parce que c'est pas vraiment une histoire, c'est des bouts d'histoire, c'est pas non plus une encyclopédie si vous voulez, mais ce serait comme un livre d'histoire, quand même écrit sous forme de roman, hein, on s'entend, mais il y a. Je sais pas, j'allais dire il n'y a pas de fil rouge, il y a un fil rouge, mais. Voilà, il y a un truc qui fait que je n'arrive pas à être vraiment happée par l'histoire. Et même si sur le moment j'adore ce que je lis, je ne suis pas dans ah, j'ai envie de le lire, tiens, j'ai à peine 3 minutes, je vais quand même lire quelques lignes, histoire de. Voilà, je ne suis pas autant happée que quand je lis d'autres romans de Tolkien, donc je mets énormément de temps. Et je me suis dit que peut-être faire une petite pause, lire d'autres choses à côté, je commence à le ressentir, j'ai envie de retourner sur celui-ci pour retrouver Tolkien. Donc je pense que j'ai bien fait de le mettre en pause, mais voilà, il est toujours en cours, je ne l'abandonne pas. Certainement pas. Cette année, je lis le Silmarillion. Puis octobre est arrivé et j'ai commencé à lire ce que j'avais prévu de lire, ce dont je parle dans ma vidéo précédente. Le lien sera là, il me semble. J'ai déjà lu deux récits de Lovecraft. Je vais pas les présenter parce que c'est des nouvelles qui font à peine 5 pages. Donc bon, mais c'est toujours un plaisir de lire Lovecraft. Ensuite, j'ai lu. C'était un petit peu moins plaisant. J'ai lu Sous ses profondeurs du collectif Les Enfants de Dagon. Dagon. Qui est un groupe de métal, et je vais pas le répéter 150 fois, je l'ai dit dans mes dernières vidéos, le livre est lié à leurs albums, etc. Ça a été une bonne lecture, j'ai bien aimé l'histoire. En revanche, le problème de ce livre, c'est que c'est de l'auto-édition, et je trouve ça vraiment dommage qu'en fait il n'y ait pas de travail éditorial derrière, parce que l'idée est très bonne, l'intrigue est très bonne, c'est juste qu'il y avait énormément, mais alors vraiment énormément de maladresses. Il y avait des problèmes de syntaxe, même de mise en page, qui m'ont vraiment gênée pendant la lecture. Donc, ouais, il manquait juste un travail éditorial derrière pour gommer tous ces défauts. C'est dommage parce que sinon l'histoire en elle-même, comme je le disais, elle est vraiment sympa. Elle aurait pu être approfondie. Les dialogues aussi notamment, que je trouvais assez légers. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de travail éditorial derrière qui aurait pu justement rendre le roman beaucoup plus qualitatif, même si. Ça n'a pas été une daube, hein. J'ai beaucoup aimé, c'est juste voilà, ce problème de mise en page, de syntaxe. Il y avait vraiment des maladresses dans les dialogues. Pour ce qui est des bons côtés, du coup, ce que j'ai aimé, c'est que vraiment, on sent qu'ils ont voulu rendre hommage à Lovecraft parce qu'on retrouve totalement l'ambiance, même, on va dire, un certain vocabulaire lié à son univers. On retrouve souvent les mots indicibles, qu'est-ce qu'il y avait, enfin, du vocabulaire qu'on retrouve dans les écrits de Lovecraft. Il y avait vraiment cette ambiance qui était très respectée, on sentait qu'il y avait vraiment un hommage. Voilà, grosso modo, après l'histoire s'est inspirée du coup du culte de Dagon. On se retrouve à Innsmouth, pour les personnes qui ont déjà lu ce qui se passe par là-bas. On retrouve la même description des personnages. Enfin vraiment, l'univers en lui-même, l'ambiance était vraiment chouette. Voilà, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas eu de travail éditorial derrière. Alors, je ne sais pas si c'était leur volonté vraiment de faire l'auto-édition, mais. Franchement, s'il pouvait y avoir une maison d'édition qui les réédite derrière, je trouverais ça vraiment chouette parce que voilà, ils manquent juste vraiment un côté très professionnel derrière. Sinon, bah, ça a été une bonne lecture. Et voilà pour mes dernières lectures du moment, ça a été un petit peu en dents de scie, il y a eu un petit peu de tout. J'ai eu peur de presque passer pas loin d'en avoir marre de lire. Et j'ai commencé à lire La Cité diaphane. Et ça commence très bien, je dois en être pas loin de 100 pages. L'écriture est un petit peu exigeante, enfin dans le sens où il faut être quand même un petit peu concentré pour le lire, mais l'histoire est très prenante, j'adore l'univers, c'est vraiment sombre, c'est ce à quoi je m'attendais au niveau de l'ambiance. Par contre, il y a plein de surprises dans l'intrigue et on en est à peine à 100 pages, donc je me demande ce qui va se passer ensuite. Donc ça commence très bien. Seulement après, quand je l'aurai fini, de toute façon, je vais continuer sur ma petite pile à lire que j'avais prévue pour octobre.
Et je vais vous en parler quand même parce que j'ai reçu un livre il n'y a pas longtemps et il faut que j'en parle. J'avais précommandé sur... Alors, c'est pas sur la librairie ou anglaise où je vais d'habitude, Blackwell's. Là, c'était sur Waterstone. Alors, c'est un peu embêtant parce que j'avais 9 livres sterling de frais de port. Mais il n'y a pas de frais de douane. Alors que ça vient d'Angleterre, donc j'étais assez contente. Bref, je l'avais précommandé en février, je crois. C'est un acteur que j'aime beaucoup qui a sorti son premier roman. C'est du thriller psychologique. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de policier slash thriller, donc ça va être marrant. Et voilà, je l'ai reçu et du coup, je pense que je vais le commencer très prochainement. Donc, Ginevra de Richard Armitage. Richard Armitage, si comme ça son nom vous dit rien, vous l'avez peut-être vu, il a joué Thor hein, dans Le Hobbit. Voilà, c'est tout. Et j'aime beaucoup cet acteur. Et hop, j'ai une édition signée. Voilà. Donc celui-ci, je pense que je vais le lire dans pas très longtemps. Donc dès que octobre se termine, soit je finis le Silmarillion et après je m'attaque à celui-ci. On verra bien. Mais il va pas faire long feu parce que vraiment, bon, en plus, il a l'air assez court. Moins de 300 pages. Il fait 293 exactement pages. Grosso modo, l'histoire, c'est Sarah, il me semble. Voilà, qui est prix Nobel de la science. Qui commence à avoir des signes des symptômes de Alzheimer. Elle est invitée d'honneur à une conférence très prestigieuse sur la biotechnologie. Évidemment, elle va commencer à perdre un peu la boule, malheureusement, c'est Alzheimer. Et pourtant, dans cette conférence, il y a quand même des grosses avancées scientifiques qui pourraient d'ailleurs la sauver elle-même. Et après, elle va commencer à avoir ces symptômes qui vont être de pire en pire. Et je pense que forcément, il va y avoir une histoire de à qui je peux faire confiance si vraiment elle commence à perdre totalement la boule, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est tout ce que je sais. Et j'ai lu le prologue quand je l'ai reçu. Et de ce que j'ai lu, du coup, quelques pages, j'aime beaucoup son écriture. Donc on va voir ce que ça donne. Mais voilà, ça va être lu très 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 prochainement. Et voilà, regardez-moi cette beauté. C'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dernièrement. Si vous avez fait de bonnes lectures ou si comme moi il y a eu un petit passage à vide, ce que vous faites des fois quand vous avez des passages à vide pour reprendre l'envie de lire. Moi je sais qu'en général soit je me tourne vers des lectures très rapides ou alors des auteurs que je sais qui vraiment que j'adore plus que tout. Ou alors j'arrête totalement de lire, je joue beaucoup aux jeux vidéo, je regarde beaucoup de séries de films et en général au bout d'une semaine l'envie de lire revient très très rapidement. Bref, voilà si jamais vous avez besoin de ce genre de conseils. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite, comme d'habitude, d'excellentes lectures et à bientôt.